présenter Frank, le propriétaire ici. Puis il y a plein d'affaires à raconter. Bonjour, Frank. Moi, j'ai dû être antiquaire dans une autre vie parce que j'adore les antiquités. On vient juste voir si on n'a pas des idées. Comme j'ai une lampe comme ça qui ressemble à ça, des lampes comme ça qu'on va peut-être récupérer pour ma salle à manger. En fait, ici, moi, je viens chercher des nouvelles idées. Juste des fois, je sais pas ce que je cherche, puis je sors avec une petite trouvaille. Ou des fois, des grosses trouvailles aussi. Là, ça, c'est vraiment comme une œuvre d'art. Wow. C'est fou. Mais en fait, c'est pas un vitrail, c'est vraiment de la peinture sur verre. C'est ça, c'est peinture. Très en beau, ça. Oui. Mm-hmm. Il vient de la Hollande. C'est hollandais? Ah oui. Artiste hollandais? Wow. Il n'est plus de ce monde, là, j'imagine. Non. Non, c'est le peint en 1900, si, d'après moi, il est mort. Il est très vieux. Quand je trouve ça comme super mignon. Oui. Puis tu sais, je me fait penser qu'aux îles, j'ai quand même une antiquité très. En bois jaune, là, un peu. Oh my god, c'est quoi ça? C'est comme une lampe de quoi, ça? Oh, ça, c'est tellement cute! Oh my god, la douche, as-tu vu? Frank? Frank, c'est quoi c'est ça? C'est quoi ça? Oh, c'est tellement beau, ça, avec les fleurs de lys. Ça, c'est vraiment. Elle est belle, cette lampe-là. Hein? Oh, il est cute, ce petit escabeau-là. Oh, c'est quoi ça? Frank? Frank? Ah! Mon dieu! C'est inéchappé. Aïe, mais tu t'assois dessus? Mais tu t'assois dessus, comme elle est comme un peu berçante. C'était construit en 61. Fait que j'ai photographié cette lampe-là. Encore plus sur nouveau.ca.